Mes chers collègues, comme je m'y étais engagé, j'ai tenu ce jeudi 10 mars la première réunion relative à l'étude juridique du protocole d'accord qui a été signé le 2 mars. Cette étude a été faite avec notre cabinet d'avocats et notre pôle paritarisme. Nous avons fait la synthèse de tous les éléments juridiques qui méritent des vérifications par rapport aux différents textes en vigueur, que ce soit la loi, les décrets, les arrêtés, en tenant compte aussi des remarques que vous avez pu faire sur les réseaux sociaux. L'expertise nécessite aujourd'hui un travail minutieux qui demandera plus de temps que prévu, mais il nous sera néanmoins transmis avant le 21 mars. Si je m'adresse à vous, c'est pour réaffirmer mon engagement qui ne se résume pas à des posts sur les réseaux sociaux. Il ne s'inscrit certainement pas dans je ne sais quelle tentative de récupération électoraliste comme d'aucuns peuvent l'écrire sur des groupes Facebook. Je vais donc être très clair encore une fois. La situation est loin d'être réglée et nous n'avons à ce jour aucune garantie de son résultat. Néanmoins, nous prenons à notre charge l'intégralité des frais d'avocat sans la moindre certitude d'avoir des éléments juridiques favorables. Alors, quelle récupération ferions-nous et quel avantage aurions-nous à en tirer? Alternative Police aura sa conscience pour lui et pourra se regarder en face dans la glace. Nous aurons tout fait afin de savoir si une action au tribunal administratif est possible ou non. Aujourd'hui, qui en fait autant? Quel que soit le résultat, l'expertise juridique sera intégralement rendue publique en toute transparence et en toute honnêteté. Vous pouvez compter sur nous.